Combien vendez-vous vos jeux de Xbox, s'il vous plaît, madame? 5. 5 Sony Vegas. Sony Vegas. Ça, je dis à l'autre. T'en as un autre, là? Ouais. Ça a l'air. C'est Scooby-Doo. Ouais. Il y a un truc qui est pas plus grand. Info dans la brume. Je suis le ninja des oreilles décollées. Salut. Salut. Et bienvenue dans ce vide-grenier. Aujourd'hui, Jamy, quelle expérience allons-nous faire? Beaucoup, beaucoup de peluches aujourd'hui. D'après les pronostics, par quoi pouvons-nous commencer? Bah, à part des peluches, hein, vu qu'on en aime beaucoup. Oui, attends. On peut les faire en plusieurs fois. On va commencer par la plus grosse. Ah oui. La plus grosse et la plus sale. Une officielle Disney, me direz-vous. Mais qu'est-ce donc? Mais c'est un Stitch. Un Stitch géant. Un Stitch, une fouet. Un peu cracrava. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais. Je veux pas savoir. Nono a trouvé pour 5€. Ouais. Officielle Disney, ma gueule. On peut encore faire une peluche, hein. Et tu fais ce que tu veux. C'est toi. Alors, je me rappelle plus du nom parce que malheureusement, j'ai des petits problèmes de mémoire. Alors, pourtant, que quand je l'ai acheté, je me souvenais. Hein. Alors, autant dire que je sais plus. Ah, Doraemon. Donc, c'est un chat sans oreilles. Exactement. Enfin, c'est plutôt un robot. Et en plus, un petit collier style latex avec la petite clochette pour que tu l'entendes. Made in Taiwan. Combien as-tu payé? J'aurais payé 1€. Oh, c'est pas cher. Ah, pas cher, pas cher. Moi, je vais enchaîner avec les peluches d'un dessin animé. Trop bien. C'est Oggy et les cafards. Donc, nous avons les 3 cafards que nous avons trouvés sur un stand. Le tout, ça fait 3€, mais en gros 2€ les petits cafards. Et 1€ le petit Oggy qu'on a trouvé sur un autre stand. Et c'est des officiels, hein. Tagoku, comme d'habitude. Et la même collection en plus. Un RPG inconnu. Ils sont pas le contact. 3€, hein, et il a été acheté dans un vide-grenier magnifique. Parce que c'était un vide-grenier couvert un jour de pluie. Bah, la boîte, hein, on va dire, elle est pas très expressive. Hein. L'étoile c'est du communiste. Complet. Contrefaçon de Hello Kitty, complet. Hein. Je vais arrêter avec les chinois. Moi j'enchaîne avec un petit bouquin dans la forêt sombre et mystérieuse. Mais la forêt sombre de qui? De Winchlus de chez Gallimard. On l'a choisi avec Sarah parce qu'on trouvait ça joli. On ne un connaît peu, pas. Un peu pastel. Sur un petit garçon, une forêt, des fourmis. C'est un peu enfantin je pense. Mais c'est cool. On l'a payé du coup 3€ et il en valait 18€ à la base. Hein, c'est écrit derrière. C'est voilà. Un beau livre. Hein, donc même s'il n'est pas très intéressant, bah, il est très beau. Il est en très bon état. Il va bien avec mes cheveux. On peut enchaîner sur ce que j'ai sur la tête là. Ah bah cette oui. Casquette moche là. Mais c'est parce que c'est une casquette de Naruto. Et j'aime bien Naruto. J'aime bien les ninjas. Nimpo dans la brume. C'est ça qu'on aime. Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 2€. Un peu cher. Mais c'était rigolo. Du métal, mec. Eh, métal, je peux taper les murs. Il y a la police qui arrive. Qui m'engraine. Bam. Quand ils disent pas bonjour. Pan, coup de tête. Et si ton pas d'accord, et bah puis c'est tout, hein. Je reprends les peluches. Une super peluche. Et que je trouve trop mignonne. Elle était là. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Même le vendeur a couru dès qu'il oui, a vu. Ça c'est pour toi. C'est Batou. Une tête dure comme le fer. C'est la marque City Chicks. Je l'ai payé 1€. Sa main on dirait plus des pattes de chat. À 1€ à la base mais négocié à 50 centimes. Un petit griconote. Petit Pokémon de style vert. De noir et blanc. Il n'y a plus son tag, alors est-ce que c'est inofficiel? Je pense que oui, vu la qualité de la peluche. Bon par contre il a perdu un bout de dent. Très mignon. Donc 50 centimes. J'ai trouvé à 50 centimes la naissance de Astro Boy, le petit robot, la contrefaçon de Nono. Il y a le petit 45 tours, un petit bouquin qui est un peu défonce. Salut, tu veux jouer avec nous? Oh là là, il m'a lancé un regard qui m'a fait peur. C'est vrai, éloignons-nous, il est bizarre. C'est super raciste les paroles. Mais... éloignons-nous, il est bizarre. Il a la coupe de cheveux d'un mec qui fait de la tectonique, quoi. Et sur le même stand, on a acheté aussi un cadeau pour Lise. Le Petit Prince, le vinyle. Antoine de Saint-Exupéry, hein, le vrai Petit Prince. Interprété par Gérard Philippe et Georges Poujouli. On ne dit pas le prix, bien sûr, parce que c'est un cadeau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on se retrouve pour l'instant carte, donc du coup c'est moi qui le fais parce que Sarah n'est pas là. Coucou. On a trouvé plusieurs cartes, un petit tas comme ceci, à 10 centimes la carte, dont je vais vous en montrer quelques-unes du coup. Un autre tas comme ceci à 20 centimes la carte. Et enfin un petit tas comme ça, c'était un lot à 5€. Dans le tas à 10 centimes, surtout des holos, voilà. Donc 10 centimes ça fait toujours plaisir de trouver des holos à ce prix-là. Luminéon, Dracolos Facebook. Moi je la trouve trop cool avec sa queue là qui passe devant. Petit gobelin de XY
Y de base, Mamochon, encore une holo, une énergie, donc ça c'est une reverse parce qu'il y a le nom, vous vous souvenez hein. Ensuite on va passer aux cartes à 20 centimes, les états étaient très très bien pour les cartes à 20 centimes, c'est ça qui est cool. Un Dodrio, un Coquiperle, une Alfart de Kenotor, Kigolta, j'arrive pas à le dire, en reverse, un Capoeira, Fortress, Rodoudou, une carte magnifique, j'aime beaucoup, Branette, Quatox, Edex Print, Carapuce, Pachirisu et Brouabam. C'est quoi ces dons? Excellent état, donc ça, ça fait plaisir. Donc on termine avec le tas à 5€. C'était surtout en fait des rares. On a trouvé ce portfolio sous la pluie. On a galéré du coup pour les prendre. Scalproix, Offensive Vapeur, une récente. Voilà, très belle, donc une holo. Nous avons un Elector d'évolution en très très bon état. Reverse, Golemastock. Nous avons Meloetta, alors je sais pas son nom en français donc parce que c'est une extension en anglais, c'est la Legendary Treasures, du coup, une extension dont on a très peu de cartes, donc là on était assez surpris de tomber sur des cartes de cette extension. Celle-ci, c'est la 78/113. C'est le même nom en français, Meloetta. De la ah chance. D'accord. Et la deuxième du coup de cette extension, c'est Gardevoir. Bah c'est le même nom en français, hein, ça je le sais. Et cette fois-ci, c'est la RC10/RC25. Donc elle fait partie des secrètes, pas vraiment secrètes là, de la fin de l'extension, la Gardevoir, qui est trop belle parce que l'effet reverse là, il est sur toute la carte. Et on termine avec Motisma Hélice de Platine. C'est la RT1. Donc c'est une secrète aussi en reverse. Ça fait 6 cartes pour 5€. C'est tout pour cet instant carte. On retourne du coup au vide-grenier avec moi et Alice. Salut. Il vous a plu cet instant carte? C'était bien, hein, surtout quand c'est moi qui présente. Ça change de l'autre, là. C'est pas beau, là. Les Simpsons, c'est la fête. Achetez au même vide-grenier que les cartes, le lot à 5€. À la base, il coûtait 5€. Il a été négocié à 4€. Wow. L'intérieur est magnifique. Wow, excuse-moi, magnifique. Je te cache un peu. C'est la fête qu'on n'avait pas du tout avec Sarah, qu'on connaissait pas. Il y en a plusieurs, en fait. Ouais, là, c'est le numéro 3. C'est bien négocié, hein. Comme les virages dans la street en Y. Juste un temps Y. Donc on continue avec les peluches parce que oui, ce n'était pas fini les peluches. Ouais. Nous avons encore des peluches à vous montrer. On va être obligé de faire un instant peluche. Hein, ouais, voilà, on va faire un instant peluche. Un petit Bob l'éponge à 50 centimes. Une Hello Kitty pour Sarah qui adore Hello Kitty. C'est une Golden Hello Kitty. C'est la Hello Kitty des riches. Ça a 2€. En super bon état. Sucré Heartful. C'est trop mignon. Un beau petit lot de peluches, c'est-à-dire deux peluches, donc c'est pas vraiment un lot, c'est plutôt un duo à 3€. Un petit Olaf de la Reine des Neiges, c'est une officielle, Disneyland Paris, 2€. Un petit Chopper à 1€, un peu taché, mais autant dire que ça passe à la machine à laver avec Vanish. Les taches s'évanouissent. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Le One Piece. C'est une officielle. Designed in France, attention, Made in China quand même. On enchaîne, les peluches c'est bon, c'est fini, hein, on s'en est débarrassé. Là je vais vous montrer un jeu de société du coup que on n'avait jamais vu en vide-grenier. Et moi personnellement je ne savais pas que ça existait. Alors ça, moi j'y ai joué chez un ami et franchement il est super cool. Pokémon, le maître dresseur. La boîte est en très mauvais état, ouais, et franchement il a pas été payé cher parce que le mec il était sous la flotte, il en avait ras le bol. On l'a payé 1€, alors qu'il est complet. Il date de 2000. Et ce jeu est super cool. Franchement, que la première G. Oui, du coup, on les voit tous avec leurs évolutions et tout. Ça a l'air assez simple, mais c'est 7 ans et plus quand même. Hein. Donc c'est pas non plus pour les bébés. Hein. Pour moi, c'est mon coup de fusil. Doduro qui sera recollé. C'est des figurines de très bonne facture. Elles sont assez rares parce que justement, le problème c'est qu'elles sont très fragiles. Quand j'étais petit, j'avais un Watt, je l'avais à peine touché, le machin il s'était explosé. Le petit Cornet, qui est magnifique. Un petit starter de Ruby et Saphir. Arco, Alligator. Waouh, trop beau. Qui est magnifique avec l'eau qui coule et tout. Ouais. Magnifique. Hein. Beau Draco. Feu, magnifique. Sur son siège de flamme. Brice, de Ruby et Saphir, que je voulais garder pour aller avec le Alligator, parce que l'autre que j'ai, c'est Red. Red avec Dracofeu. Donc voilà, franchement, c'est... le lot, je l'ai pas du tout payé cher, parce que je l'ai payé 4€. Ça varie sur Amazon, oui, on peut voilà, avoir les boosters pour 4€, après ils mettent des packs qui sont à 100€. Hein, beaucoup de fusils pour moi. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Je finis avec le coup de fusil de Sarah et moi. Bang bang. En Y. Des jeux de Xbox One et 360. Et un coffret de série. Le coffret de série à la base c'était 1€, voilà, donc c'est Skins saison 2. Dommage qu'il n'y avait pas la une, hein, mais bon, après Skins, ce qui est bien c'est que ça se regarde indépendamment. En très très bon état, donc il est complet, hein, bien sûr. C'est du DVD, mais bon, en même temps Skins, je ne crois pas que ça existe en Blu-ray de toute façon. La série Trash, nouvelle génération. C'est une série, voilà, sur des ados, sur leur vie, quand
ils prennent des drogues, quand ils font l'amour. Un truc pas très catholique, quoi. C'est une série anglaise que je conseille vivement, que j'ai fait découvrir à Saran et à qui ça a beaucoup plu. Et la 2, c'est la saison préférée de Saran. Ensuite, nous avons deux jeux de One qui étaient vendus 5€ chacun. Call of Duty Advanced Warfare. Warfare. Day Zero Edition. C'est même pas le jour de la sortie, c'est même pas la Day One, c'est la Day Zero. FIFA 2015, ma gueule. Bon, c'est un classique, hein, faut l'avoir. Après, c'est pour jouer entre potes, ça, oui, c'est pas franchement voilà, le jeu recherché, mais 5€, le FIFA 15, je suis sûr, ouais, dans les magasins spécialisés, bah, on le trouve quand même à 10 balles ou à 15 balles. Donc, voilà. On finit avec les jeux de 3-6 qui étaient à la base à 2€. Il y en a 5. Ghost Recon Future Soldier, qui est complet. Apparemment très bien multi, me dit-on dans l'oreillette. Un Resident Evil 5 du nom. Resident Evil, hein, tout le monde connaît, c'est classique, c'est super. C'est complet. Metal Gear Rising. Le Metal Gear le moins long du monde. Ah oui, c'est super. 3 heures de jeu, mais il est assez cool. On peut faire des mouvements et tout avec son sabre. Les deux belles trouvailles qui font que c'est un coup de fusil. Parce que, bon, déjà les prix, hein, vous allez me dire, mais il y a deux titres très intéressants là-dedans. Perfect Dark Zero, un jeu d'action futuriste. Une exclusivité Xbox, du coup. Donc ça, c'est vraiment cool de rentrer ça dans sa collection. Il est assez recherché, ce ouais, jeu. Ouais, c'est culte. Dark Messiah, Might and Magic Element. Ubisoft. C'est un jeu fantasy, RPG, complet encore. Je pense que le mec qui a vendu ça, c'était un collectionneur qui a dû avoir un enfant, un truc dans le genre, et sa femme, elle a fait, tu fais le choix. Tu vires tous tes jeux, on a besoin d'acheter les des couches. Parce que le mec, il avait l'air de connaître. Il y avait des jeux PS1 aussi, et c'était 50 centimes les jeux de PS1. Ah bah oui, ça fait 21€, donc déjà c'est pas cher. Il a réussi à être négocié ce lot à 20€, pour 1€ en moins. Franchement sympa. Et n'oubliez pas la FAQ, qui est toujours sur la vidéo des 500 abonnés, que on va mettre ici. Laissez vraiment vos questions sur cette vidéo là parce que sinon votre question passera à la trappe. Il vous reste seulement du coup 2 jours pour poser vos questions. On va la tourner mardi. On veut des questions pour tout le monde. Sauf pour Nono. Sauf pour Nono parce qu'on s'en fout de Nono. Merde. Mais un pouce bleu là. Pouce bleu. Pouce bleu. Nimpo dans la brume. Normalement j'y suis censé disparaître.